C'est déjà bon que les gens dénoncent et que les populations soient informées. Si les gens sont informés qu'on a de ce de telle ou telle chose, ça veut dire qu'ils attendent après que les gens sanctionnent. Et c'est là où le régime du nouveau départ est attendu, pour voir véritablement tant de scandales qu'eux-mêmes sont en train déjà de dénoncer à travers des audits. Donc les gens les attendent par rapport à ça. Nous allons attendre un moment pour constater d'abord le résultat que ça va donner. Bon, et quand ça va donner un bon résultat, tous nous allons acclamer. Mais dans le cas échéant, quand ça va continuer, quand ça va virer autrement comme chez les autres, bon, vous voyez, ça sera déplorable. Et je vais ajouter ceci. Ce n'est pas obligatoirement les dirigeants qui font la chose, hein, mais c'est les concitoyens, nos concitoyens, qui n'appliquent pas ce que le gouvernement, sinon les gouvernements sont en train de vouloir que nous fassions. Ce que moi je remarque, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. N'importe quel président arrive, il lutte contre toujours la corruption, mais ça ne s'améliore pas. C'est mon point de vue, hein, ça ne s'améliore pas. Je ne sais pas si avec le temps, le nouveau départ peut améliorer un peu. Sinon, jusqu'à présent, ça ne va pas encore. Si on peut changer, si tout le chacun peut changer et sa mentalité, le pays peut avancer. Je crois qu'on finira par se mettre au pas. Il faut que quelqu'un le fasse. On va faire beaucoup de victimes, des gens se sont déjà habitués à ça. Mais je crois qu'avec la rue que prennent les choses maintenant, ce que fait le président Tagan, on va se mettre au pas et se corriger.